I am a dancehall terrorist representer. As me said, the biggest battle is sector mafia. I am a dancehall terrorist representer. Let now, hot, and you can remember that. Remember that, remember that, remember that. You will just fucking pass a great ass on my shit. When you're the fucking best in battle machine. Send you, let now, watch out. Lieutenant aka Edensol Théoris, tu as sa Volga City, la Trinel City, Mojira, tu as sa plan de sortie, fais pied toi, nous avons venu de tout côté, nous avons passé, pour nous faire Edensol avancer, tu as sa Underworld là même, je dis à l'économie internationale, là, il y a bien Robin, bon, il y a Robin, yeah man. Yes, donc lieutenant, on t'a découvert, c'était en 99, je crois, avec l'opération Coup de Poing. Ah ouais, c'était mon premier son sous CD, mon premier clip aussi, j'ai eu de la chance. Mais avant ça, j'avais déjà fait pas mal de sets dans le local, podium, underground quoi. J'ai fait aussi l'école des zones de système, contrairement à un tas de fucking Somboy là, toujours j'ai connaissé. Somboy, Runway, on laissait des ben voilà. Moi j'avais un groupe qui s'appelait à l'époque Reggae Soldiers. Il y avait Sahel dedans, il y avait Taruna qu'on connaît déjà. Et puis voilà, c'est pas mal de son système, des fêtes patronales et puis nous décatourner, nous décapons expérience. Et puis voilà quoi, et puis juste attendre nous faire premier bain nous quoi. Et puis chaque monde prend Bochli, Sahel ou Jassam Saïf, Daona il a fait quelques trucs aussi, il y avait African T aussi, et puis bien d'autres. Ouais. Moi-même moi continuer puis Spartan Friend, premier CDA, nous faire clip là, opération coup de poing. Il était quand même assez jeune à l'époque, ça a commencé comment? Ouais, j'avais Saint-Gilles, 22 ans. Ouais. Mais avant de faire ce CD là, j'ai fait beaucoup de choses dans l'underground. Ouais. Ça a commencé à quel âge? À 15 ans. 15 ans, ça a commencé comment? Le collège, ouais, la cour du collège, ouais. Et voilà quoi. C'est venu après, comme ça? Ouais, mais avant ça, ma soeur, j'avais déjà une soeur qui tostait avant. Ça s'appelait les Divas à l'époque, ça s'appelait la SS maintenant. Et voilà quoi, j'ai suivi ce que je faisais. Ouais. Comme tout jeune, j'étais un gars, j'étais un peu turbulent. La musique m'a permis de pouvoir canaliser, m'épanouir. Et puis voilà. Je reviens justement opérer ce coup de poing. Et justement, après opérer ce coup de poing, j'ai fait d'autres choses avec. J'ai sorti sur un autre CD avec Warner B. Et puis après ça, j'ai rejoint le groupe Silent Friend. Là, c'était la révélation pour le grand public. Voilà, ouais. Et puis j'ai fait mon premier son avec Côté Plan I, avec Valet que je connaissais déjà, puisque nous avons été la Trinelle, ouais. Et puis après, on a fait pas mal de scènes, beaucoup de scènes, ouais, dans la Caraïbe, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, voilà quoi, les Saintes, Guadeloupe. Voilà quoi, et puis ça m'a donné beaucoup d'expérience sur scène, ouais, parce que moi j'étais plutôt éduqué de la scène, ouais, mais en même temps, en parallèle, vu que nos sons n'étaient pas toujours promotionnés à la radio, on se débrouillait toujours pour que les gens puissent connaître ce qu'on chantait sur la scène ou bien dans le Nogouane, ouais. Et puis en principe, j'ai toujours été DJ en Nogouane, ouais, parce que j'ai toujours, les gens n'ai jamais été vraiment. Promotionné comme à Chris, Samuel Tissahel, j'ai toujours eu des sons underground et puis et justement ces temps-ci l'underground est en train de prendre le dessus, ouais, c'est vrai. Et ce qui fait que mon nom, quand il y a beaucoup de demandes concernant les prestations, ouais. Et justement là, après ça, Silent Friend, j'ai fait un site underground qui s'appelle Dancehall Terrorist. Sorti récemment? Ouais, sorti récemment et puis j'ai posé sur l'aspect Axdem en ce moment aussi, et Dancehall Sorti 2 qui va sortir bientôt aussi, et Open Maxition, Panic With Him, j'ai vu tout plein de copines, ouais. Mon premier truc personnel c'est Dancehall Terrorist qui est une copine en deux boîtes. Ouais. Ok. Justement, par rapport à ça, comment tu juges la scène locale actuellement, que ce soit commercial ou underground? Ouais, mais moi je pense qu'il faut faire les deux, ouais. Moi je fais toujours, je suis toujours en parallèle, je fais le commercial, tu vois. Je fais plusieurs compiles, j'ai sorti sur plusieurs compiles et en même temps sur mes trucs underground, ouais. Parce qu'il faut toujours du commercial aussi et puis dans l'underground, ouais. Mais sinon, comme je le disais à l'instant, l'underground a pris un ascendant vraiment. C'est vraiment pas négligeable. Précédent, c'est militant, c'est lieutenant militant, qui veut dire comme dans mes textes, c'est militant, ouais.
Et je parle souvent d'inégalités qu'il y a eu sous les blacks, ouais. Et même vraiment les ça, ouais. Parce qu'on est vraiment à l'époque, en ce moment-là, le racisme n'a jamais été aussi fort. On sent en même temps, nous, on cherche notre respect, ouais. C'est ça qu'on demande, hein, notre respect. Moi, je big up les gars comme Malcolm X, Martin Luther King, ouais, qui font le travail, Aimé Césaire, qui font oui, le travail, as black man, et que moi-même, as DJ, même moi, là pour ça aussi, ouais. Et les marathons des bombos critiques à venir faire combien de paroles ben, au carrocheur, qui a passé mon carrocheur, et que l'abolition, que l'esclavage, il y avait c'était un truc de positif. Moi-même, je ne fais pas ça, mafia. Je ne vais pas rentrer en ça. Oui, nous, comme ça. On va violer les anneaux. On va venir la radio respecter. Non, pas comme ça. Je dois nous respecter. Pour tout ça, ben, il a fait nous. Ah non, c'est pas comme ça. Et ça, c'est alors, depuis, depuis le début. Je suis dans ça. Allez, ça, ouais. Lieutenant, il est comme ça depuis ses débuts, en fait. Ben ouais, ouais. Opération coup de poing, les paroles, c'était ça. Ben ouais, ouais. Moi, je suis un DJ hardcore, ouais. Hardcore, même c'est vibe ghetto. Ouais. S'il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas venir le chanter d'une façon pour techno, tu vois. Même si hardcore, tu vois. Ouais. En parlant de ça, on peut faire le rapprochement avec Bounty Killer, le modèle. Ah, bon, ça, ouais. Le lieutenant, quand on le regarde sur scène, c'est Bounty Killer. Ben ouais, parce que lui-même, je big up l'artiste Bounty Killer, mais je. C'est surtout son parcours qui m'a que j'ai trouvé son parcours. Parce que lui, ce qui a déclenché le bounty qu'il a, c'est une balle qu'il a reçue lorsqu'il sortait de l'école, lorsqu'il était jeune, qui a déclenché le bounty qu'il a. Et moi-même, ce qui m'a déclenché, même, c'est l'inégalité que j'ai vue. Ouais. Et puis c'est la tristesse que je voyais dans les yeux de mes frères même, ouais, qui se battent, ouais, qui sont. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Il y a souffert, il y a différents bagages, il y a essayé de faire des bouilles, il y a fait des jobs, il y a souhait. Parce que moi, je travaille aussi. Même l'appétit, je l'ai fait. Pourquoi je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose, ouais. Je l'ai goûté pour me taper, ça m'a enlevé, ouais. Parce que moi-même, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on nous a volé, que bagages là, même, on ne va pas pouvoir le reprendre comme ça, ouais. Tu vois? Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui, ou même un producteur, un compositeur qui tu as aimé bosser? J'aurais bien aimé faire ça avec Bontigila, je sais ça. Bontigila et Booba aussi, ouais. Booba, ouais. Ok. Et sinon, si tu avais un message à faire passer maintenant, là, ceux qui te regardent, tu leur dirais quoi? Radio, c'est pas peut-être fort la vie, là, ça, c'est combat, c'est pas moule, c'est pas. C'est fucking mambo, là. Ok? Yeah, ok. Et une dédicace à quelqu'un ou. Dédicace, sans dédicace, bah, la trine, la volga, Bokon, la Zach Massé, Jassab, tout ça qu'on représente. Jassab, big up. Madinina, Guadia, le Washington, Capo Allemagne, qui Jassab, big up. Yeah, man. All right. Yes, sir. En moi, big up à tout ça que tu avais, puis mais Octopus, Son Classique, Jassab, et Valley, Plin, Sahel, Jassab, tout ça qui vous met, puis nous, Factor Will, big up, Mighty, Medantologie, Opérationnel. Yeah, man. Atom Spirit, Son, big up. Yeah, man. Jannick, Gial MC, big up, Jassab. Yeah, man. Lieutenant. Écoutez, mais le temps quand tu es passé, Mambo quand t'es pinassé. Non, c'est pas par hasard si c'est musique t'as là en choisi. A ta pas de bonne bâtie, ça cause et puis ça qui, toutes les gens qui commentent. Écoutez, monsieur Chaco dit passer les ghettos, yuto car cher. Car les bad blackmen comme moi, il aimait bien nous faire taire. Il n'a rien à foutre que le ghetto soit dans la misère. Pour moi, ces popos racistes sont comme une balle dans la chair. Ok, même les charclos, Chaco ne les tolère. Pour lui, les blacks et les rebeux, tout ça lui tape sur les nerfs. Il aimait bien le reloger dans un big cimetière. Liberté, égalité pour lui, c'est le sens qu'on traite de ma carbone passée. Bambo, quand t'es pinassé. Mais c'est pas par hasard si c'est musique, t'as la même tracée. A ta paille à bonne bâtée, Chaco, c'est. Ek sake, tout le monde.